Vous venez d'acheter un véhicule aux Émirats Arabes Unis et vous souhaitez estimer le coût de votre future assurance. Je vous donne dans cette vidéo quelques clés pour estimer le prix de votre assurance véhicule. L'assurance de votre véhicule est calculée en fonction du prix d'achat du véhicule. En moyenne, pour un véhicule que vous auriez acheté pour moins de 100 000 dirhams, donc moins de 25 000 euros à peu près, le prix de l'assurance va être de 2,5% du montant d'achat du véhicule. Pour un véhicule entre 100 et 300 000 dirhams, donc c'est-à-dire entre 25 et 75 000 euros, le montant de l'assurance va être d'à peu près 3,35% du prix d'achat du véhicule. Enfin, pour un véhicule de plus de 300 000 dirhams à 1 million de dirhams, donc plus de 75 000 euros à 250 000 euros en moyenne, le prix de l'assurance sera de 2,2% du véhicule. Ceci dit, il existe des facteurs qui vont venir influencer le prix de votre future assurance. Déjà, première chose, si vous êtes un conducteur de moins de 25 ans, vous allez devoir ajouter à peu près 25% sur le prix de l'assurance. Donc, vous faites le prix du véhicule, 2,5% de ce prix d'achat constitue l'assurance, et si vous avez moins de 25 ans, vous rajoutez 25% sur les 2,5% calculés pour obtenir le prix, l'estimation de ce que vous devriez payer en termes d'assurance véhicule. Si vous êtes un jeune permis, si vous avez le permis depuis moins d'un an, de la même façon, vous ajouterez 25% sur le montant calculé de l'assurance. Enfin, si vous avez entre 30 et 60 ans, vous pouvez déduire 10% du montant d'assurance que vous aviez calculé pour obtenir l'estimation de ce que vous devriez payer en assurance pour votre véhicule. Cette estimation que je vous ai fait calculer est une estimation pour l'assurance du véhicule à l'année, pas au mois. Donc, c'est une estimation pour l'assurance de votre véhicule à l'année. Évidemment, en fonction des compagnies d'assurance, de la façon dont ils vous couvrent, s'ils vous couvrent pour du off-road, s'ils vous couvrent pour sortir du territoire et par exemple aller à Oman, le prix de l'assurance peut légèrement varier. J'espère que cette vidéo néanmoins pourra vous aider à faire des estimations, peut-être du coût de la vie lorsque vous viendrez vous installer à Dubaï ou de l'assurance pour votre prochain achat voiture. Si vous avez une expérience à partager au sujet des assurances véhicules, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas à la partager en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.